Ethniq est une entreprise publique qui fournit des services informatiques à la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. La Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est l'institution qui est compétente pour les matières personnalisables telles que la santé, l'enseignement, la culture, la recherche, les sports, et ce dans l'espace francophone belge. Nous agissons comme un véritable centre de compétences pour les technologies de l'information dans cet espace. Comme nous gérons des domaines très différents comme l'enseignement, la santé, la culture, nous sommes confrontés à des populations d'utilisateurs qui sont aussi très hétérogènes. Dans les applications, nous étions appelés à devoir gérer de plus en plus d'utilisateurs dans des contextes très différents, et cela devenait intenable en termes de gestion et de sécurité. Nous étions également appelés à nous conformer à la politique générale de sécurité des systèmes d'information de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, avec Identity Manager et Access Manager, nous sommes capables de proposer à d'autres entités de la Fédération Wallonie-Bruxelles une boîte à outils de services IAM leur permettant d'assurer eux-mêmes la gestion de leurs utilisateurs et de leurs droits d'accès, et ainsi d'en garantir la maîtrise. Nous gérons déjà quelques centaines de milliers d'utilisateurs et nous avons 29 connecteurs de synchronisation en production. À terme, tous les citoyens francophones de la Belgique devraient disposer d'un compte citoyen dans un cadre d'e-government dans le système. Donc nous devrions tourner autour de plus ou moins 3 millions d'utilisateurs. Avant, quand une personne entrait en fonction dans l'organisation, il s'écoulait souvent plusieurs semaines avant qu'elle ne dispose de l'ensemble des droits d'accès nécessaires à sa fonction. Maintenant, une fois que cette personne est inscrite dans le système de ressources humaines, son compte et ses accès sont créés automatiquement par Identity Manager. Nous avons aussi développé une solution pour automatiser la création des droits d'accès d'après les rôles organisationnels de nos clients. La solution se base sur l'organigramme des services de l'organisation. Quand le compte est créé, il reçoit toute une série de droits pour les applications qui font partie d'un rôle organisationnel. Et ces rôles peuvent être calculés aussi sur le grade de la personne, sur la fonction de la personne. La mutualisation des comptes est aussi une dimension très importante. Par exemple, si un cabinet ministériel crée une application destinée aux citoyens, il ne doit pas nécessairement aller demander aux citoyens qui se sont déjà enregistrés pour un autre service de s'enregistrer encore une fois. Pour les citoyens, c'est une réduction d'efforts et de complexité. À terme, quand les citoyens voudront disposer d'un service fourni par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça se fera dans la plupart des cas en quelques clics depuis chez eux. Sur le plan de la sécurité, le cycle de vie de tous nos comptes sur tous nos systèmes est maintenant sous contrôle. En renforçant la sécurité et en reprenant la maîtrise de nos comptes et de leurs droits d'accès, nous limitons le risque d'accès indu à ces données sensibles dont nous assurons la gestion. Les consultants au PNS ont d'excellentes compétences et une forte expérience dans ce type de projet et sont d'une grande flexibilité dans la recherche de solutions pragmatiques et adaptées aux demandes du client. Ce sont de véritables partenaires, solides et fiables, qui ont bien plus à offrir qu'une simple maîtrise des produits métalliques.